Le deuxième jour s'est déjà bien levé ici dans la Marne. On a attendu que les chasseurs finissent de chasser et il s'est rien passé cette nuit. Donc j'ai quand même guetté pendant 2 heures et demie sans rien du tout. Après j'ai redormi et là on est reparti. On va pêcher. Donc je vais adopter la même stratégie qu'hier. Commencer du bord au matin. Et l'après-midi, je verrai en barque. Je comptais aller en barque ce matin aussi, mais le problème, c'est qu'il y a un vent du nord et qui est très frais, donc ça va être embêtant avec la barque. Du coup, bah, tout simplement, je vais faire du bord ce matin et cet après-midi, on verra si c'est propice pour aller en barque. On avait loupé un hier ici. On repart par là. On fait tous les zones de grillage. Hier, je tapais tout comme ça. Genre lentement. Pause et il me tapait. Poisson, poisson. Non, coupé. Oh, il m'a mis un rush du turfu. Ah ouais, c'est ça d'être monté fin. C'est les risques. Oh, coupé net. Bon, bah, y'a plus de fat boy swim. J'ai joué, j'ai perdu. 60 dans les branches. Un beau poisson encore, sur un plus gros leurre. Fin du deuxième jour de pêche. Une journée assez maigre au niveau poisson. On s'en est sorti comme on a pu, donc ça a été dû aux conditions météo notamment. On n'a pas pu aller trop en barque ni en flotte tube. C'était assez restreint pour la navigation. Mais bon, on a encore une nuit à passer et une journée de pêche, donc on garde espoir et on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Allez, on est parti pour le troisième jour. On va faire le même spot que les matins précédents, celui-là. Aujourd'hui, quasiment pas de vent. Calme plat. Fait vachement bon. Fait moins frais que les jours précédents. C'est, à mon avis, c'est dû au vent. Là, il n'y a quasiment pas de vent. Je pense qu'on devrait aller en flotte tube. On va changer ça, on va passer sur complètement autre chose. On va prendre du crank, on met un gros crank. Il va voir l'eau pour la première fois. En espérant qu'il fasse aussi son premier poisson par la même occasion. Ça serait cool. T'as rien fait? Ah bah je suis au crank aussi moi. Ouais. J'ai changé. Je suis au biggie. Couleur chrome. Yes, poisson. Bien joué.
B-switcher. Si tu veux, je te l'attrape, moi. Un petit bec, un bec de 50. Même quoi. Attends. Je remonte juste mon leurre et je te l'attrape. Oh, t'inquiète. Non, vas-y, mine. Je vais bien l'attraper. Il va encore bouger. C'est parce que je fais gaffe à l'hameçon. T'inquiète, j'ai ma pince. Voilà, c'est bon, je l'ai. Non, pas besoin, pas besoin. Si. Vas-y, allez. Vas-y, un coup. Voilà. Bon, je le montre. Si tu veux, tu le prendras après. Ouais. Voilà. Un brogue, ouaf. 45-50 au B-switcher. Sympa. Voilà un petit bec. Allez. Vélise. Le petit pike, je l'ai fait avec un B-switcher 4.0. Donc c'est la première fois que je l'essaye. Plein eau. Pourtant, il y a un bon 7-8 mètres de fond. Mais les poissons, ils n'hésitent pas à monter quand même. Ils plongent jusqu'à combien ton B-switcher? Ah ouais, ok. Ouais, mais c'est pas grave parce que moi, je veux l'utiliser sur les bordures, tu sais. Ah, mais les bordures, il y a 2 mètres. À 3 mètres des bordures, c'est déjà 2 mètres. Hop! Loupé. Ouais. Il me suivait. Il est reparti avec 2,50. On va voir est-ce qu'il va revenir. Ouais, ils sont peut-être pas collés au fond, mais le fait que ça les énerve un peu, les leurres comme ça, ils montent. Poisson. C'est bon. Ah, il est revenu. Il est revenu. Waouh. M'a mis un rush de l'espace. Il fait ce 60 peut-être. Ça va être trop dur, t'inquiète, je vais me démerder. Bon, il met encore un petit rush. Hein. Oh, il est sous ma palme. Allez, viens là. Ouvrir ça. Attends. Ah ouais. Regarde quand. Si, il est ouais. Poisson sympa par contre. Falloir le décrocher. Bon, respect quand même. Il a pas tombé. Non. Hop, et c'est décroché. Je vous montre une petite dernière fois. Il n'y a pas hésité à revenir. Hein. J'ai eu peur qu'ils reviennent pas et
Il m'a repris encore une fois que j'allais remonter. Allez. Et on pépère. Hop, ça repart direct au fond. Bon. L'heure de réaction. Ça fait deux fois. 10 minutes, ouais. On n'avait pas de touche depuis ce matin. Quasiment, et... Ouais, bah continue. Peut-être ça qu'il faut faire. Nickel. Ah, fiche. Yes. Poisson. Yes, bien joué encore. Hein. L'heure de réaction, c'est sûr. Attends. Poser ma canne encore une fois. Ah, il a fait le tour. Fait le tour du fil. Attends. Je vais poser ça là. C'est un plus petit ceux. Poisson quand même. Hop là, c'est bon, je l'ai. Je décroche. Oui, il est pas trop piqué, hein, quoique. Ouais, il va falloir quand même ta pince. Tiens, mets ça sur le côté. Tu verras le piquet. Ouais. Je décroche. Ça va être plus simple. Attends, je vais le décrocher. Bon, c'est bon. Parce que. Et voilà. Encore un petit brochet. B-switcher. Le B-switcher 4.0. Donc. Encore une prise. Ça a l'air à réaction. Donc voilà, on va le réparer. Là, on enchaîne les prises avec ça. Donc. On va continuer. Et hop, il est reparti. GG. Écoute, ça en fait un de plus. GG. On a trouvé le truc à peu près. Je sais pas si je vais remettre mes gants au final parce que je fais que ça de les mettre, de les retirer. Mais ça me fait quand même du bien parce que c'est pas très très chaud non plus, hein, l'eau. Ah, fiche. Encore un. Oh merde. Poisson. Yes. Encore un. Encore un qui pike. Toujours le B-switcher. Je te l'attrape. Pareil. Ouais. Là tu pourras pas le prendre par Louis, il y a le deuxième trip dans Louis. Il y a le deuxième trip dans Louis. Tu pourras pas. Si, c'est bon. Justement. Il est de l'autre côté. Tiens, mets ma canne. Tiens, je te laisse le décro. Ah bah, il est reparti à l'eau. Merde, j'ai lâché. Désolé. Bon bah voilà, encore un poisson.
qu'un peu de chance, il va venir le choper. Je viens d'en louper un. Là, il vient de me refuser, il est reparti au fond. C'est terminé. Fin du dernier jour et fin du trip.